pas regarder la caméra. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Finalement, au jour d'aujourd'hui, quand il y a la visite surprise ou quand ils aperçoivent un nez rouge ou un costume un peu non traditionnel, c'est vrai qu'il y a les yeux qui s'ouvrent, il y a des sourires. À chaque fois, c'était un rayon de soleil pour tout le monde. Je crois que dans le service, les résidents sont, alors pas tous naturellement, mais la majorité, on les voit très réactifs. Et le summum pour nous, c'est de voir des résidents qui sont relativement fermés. Et là, on les voit complètement épanouis, souriants. Et ce que vous apportez, c'est un complément à ce que nous, on peut faire chaque jour. Ils sont attendus, quoi. Mmh. Ils ne sont pas attendus pour un spectacle, mais ils sont attendus pour cet échange particulier, privilégié. Parce que c'est vrai que vous entrez dans leur univers et de vous avoir pour eux dans leur chambre, c'est quelque chose de précieux. Et là, on a l'impression qu'ils se livrent. Moi, je pense à des résidents. Ils se livrent et on les voit dans leur intimité. On les voit chanter, danser, faire des choses qu'on ne les a jamais vus faire, quoi. Et c'est assez sidérant, quoi. Vous en avez déjà vu, un gars comme ça, vous ? Non. Ah. Ça fait 10 ans que les Envolées ont créé ce groupe. On a vraiment, depuis plusieurs années, développé une pratique de l'écoute sur ce qui se joue dans l'instant présent. C'est notre spécificité, oser jouer avec ce qui est là. C'est ce qui donne à la fois la force, la crédibilité, la magie du jeu dans l'instant. Ça vous plaît, hein, qu'elle se repose sur mon épaule, comme vous vous posez l'oreiller sur la tête, ou l'inverse peut-être, non ? Ah oui, c'est bien. Ça vous plaît, ça ? Ça va, moi ? Là, c'est pas trop lourd, moi ? Comme ça. Ah oui. À la fin de chaque séance, il y avait quand même toujours un point positif. Et les bénéfices qu'on a retirés, c'était... Waouh ! Voilà, je cherche le mot, quoi. Soit c'était vraiment, il n'y avait plus de troubles du comportement chez la personne, soit ça s'était un peu atténué. Et puis, pour rajouter, ça s'est même ressenti au niveau de l'équipe soignante, quoi. Voilà, petite étincelle, la bonne humeur, le sourire. Vous aviez toujours, en plus, un petit clin d'œil pour l'équipe. Enfin, voilà, c'est... Prends garde à toi. Prends garde à toi. Ah, ces mots. Corbeau. De se sentir plus de joie. La chaque fois. Ouvre un je vais. On a vraiment un public qui est très très large. Mm-hmm. Et vous intervenez auprès de chacun, quelle que soit sa situation. En une demi-seconde, il y a une relation qui se crée. Il y a des regards qui s'échangent, des émotions qui se vivent. Encore d'en reparler, ça me... Ouais, ouais. Il y a encore de l'émotion, mais pourtant ça a plu. Oh, oh, c'est génial. Mmh. Et prenez-le. C'est pour vous. Merci. Ah ben avec plaisir. Hop. Ça a demandé à comprendre aussi les différentes pathologies et aussi surtout de jouer non seulement avec ce qui est là, mais aussi de jouer avec les grands thèmes. De la vie, de la mort, du passage, de la maladie, du deuil, mais aussi de ce qu'a été l'amour, de ce qu'a été les enfants, de ce qu'a été les traditions. Toujours en filigrane, on sait qu'on joue avec des grands thèmes. Ah bye bye ! Ah bye bye, à demain ! Bah oui ! Ciao ciao ! Merci.